Les éléphants de Côte d'Ivoire, lors de leur deuxième match de la CAN, ont concédé le nul 2-2 face à la Sierra Leone. Lors de l'égalisation des Sierra Leonais, le gardien ivoirien Sangare Badra Ali a fait une énorme bourde qui a suscité colère et raillerie chez les supporters ivoiriens à l'endroit de leur portier. Sorti blessé et attristé, Sangare Badra a été sonné par une autre mauvaise nouvelle. En effet, son géniteur a rendu l'âme dans la nuit du 16 au 17 janvier. Information qui a meurtri une fois de plus le cœur du gardien. Je suis tombé hier soir, je me suis levé ce matin, c'est toi qui es tombé, et tu ne pourras plus jamais te relever. Qu'Allah t'accepte à ses côtés, au revoir. Nfa, monsieur Sangaré. Tu vas me manquer. A déclaré Badra à l'endroit de son défunt papa. Les obsèques de feu Sangaré Toumani ont eu lieu ce 17 janvier 2022 dans la commune d'Atékoubé en présence du ministre des Sports, Dan Opolin.